Bonjour, nous nous rendons chez une grande dame de la télévision qui était une animatrice bien connue d'une émission de Filiatelli, mais également une speakerine, aussi une actrice. De 1947 à 1961, elle a réalisé 7 films avec des acteurs très connus. Vous l'avez compris, il s'agit de Jacqueline Cora. Bonjour. Bonjour, heureuse de vous recevoir. Entrez, je vous en prie. Je me souviens toute petite, enfin petite, oui, je disais à ma mère, moi je veux être comédienne ou metteur en scène. Enfin, j'étais attirée par tout ce qui était technique et aussi artistique et nouveauté. Dans ce que vous avez connu, alors si on reprend le détail. Les souvenirs ne sont pas à vendre. Donc là, on avait Robert Hossein. Oui, Martine Carole. Martine Carole. Hervé Villard. Oui. Il y avait, et bien alors, je connaissais très bien Pierre Apestegui. Oui. Alors, en 57, Sénéchal le Magnifique. Oui. 58, Le Fauve est lâché. Et là, on a lâché Lino Ventura avec vous. Oui. Ok, Bambo. Donc là, oui. On a à nouveau quand même des très grands. Il y a Michel Serrault qui vient de nous quitter. Jean Carré. Et Charles Aznavour. Alors ensuite, Mon pote le Gitan, en 59. Et puis, 1960, Meurtre en 45 tours. Voilà. On est avec Michel Leclerc. Oui. Alors, 1960, on n'est plus très loin de Téléfilatélie. C'est exact, parce que c'était 1er janvier, enfin, 61. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous dites, ben voilà, vous étiez déjà speakerine à l'époque. Ah ben bien sûr. Et j'annonçais souvent les émissions scolaires. Et puis, j'aimais déjà la philatélie, les timbres et l'histoire. Enfin, mon père m'avait déjà un peu initié. Et je me suis dit, mais voyons, il y a des émissions scolaires, on donne des timbres aux instituteurs pour éveiller le côté ludique mais à la fois instructif pour les enfants. Il y a des chroniques philatéliques dans les quotidiens à l'époque. Le Monde, Figaro et la presse régionale qu'on oublie toujours de citer. Oui, Nice Matin entre autres et bien d'autres. Pourquoi n'y aurait-il pas un journal, un magazine de philatélie? Alors à l'époque, j'étais encore très jeune, mais je savais que Darget était philatéliste. Alors je lui ai demandé, est-ce que ça t'intéresserait de présenter avec moi, j'ai une idée pour la philatélie. Et puis je suis revenue après, je travaillais pour le journal féminin, différentes choses et tout ça. Je me disais, c'est quand même un peu fort, je vais voir du côté de l'éducation nationale s'ils peuvent pas m'aider et tout, rien. Et puis le hasard fait que j'ai rencontré le président Berthelot, qui à l'époque était président de la FIP, la Fédération Internationale, et il m'a dit, je suis d'accord, si vous pouvez le faire admettre, eh bien, je viendrai avec vous. Entre-temps, il y a eu changement de direction, bénédiction pour moi. Je ne connaissais absolument pas Albert Olivier, mais j'avais entendu parler que c'était un historien. Et je lui ai dit, monsieur, non seulement il y a la philatélie, mais il y a toute l'histoire postale, et ça peut être des chapitres passionnants. Et c'est là, il m'a dit, tentez votre chance. Et ma chance, ça a été que Cocteau, à ce moment-là, sortait son... on annonçait la sortie de la Marianne. Bon, là, c'est l'émission que l'on va regarder maintenant, le court extrait. Exactement. Rouge à lèvres. Attendez, je regarde. Rien dans cette poche? Ah, c'est une chance. Le voici. J'aimerais vous montrer le profil d'après lequel je suis parti. Avec plaisir. Thank you.
sortez le rouge à lèvres, c'était quelque chose qui était à peu près vu.